Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes donc le jeudi 10 décembre, une vidéo d'un boombox JVC PC70 année 1984, un appareil destiné à Jean-Sébastien. Donc on va faire une petite vidéo pour représenter le produit et pour voir que tout fonctionne bien, voilà, parce que l'appareil sort de révision, il y avait pas mal à faire et donc là maintenant il est OK. Donc on va commencer par la mise en route, par le bouton de mise en route général. Voilà. Donc là, on a le haut-parleur droit, ici, et le gauche. Donc voilà, il n'y a pas de crépitement, il n'y a pas faux contact, tout est OK, comme à l'origine. Donc ici, on a les voyants FM stéréo, le voyant de l'accord radio, on a la mise sous tension, et on a la direction du mécanisme auto-reverse, là, ici. Voilà, on a un equalizer à 5 fréquences, on a un sélecteur d'auto-reverse, soit arrêt en fin de bande, soit lecture des deux faces, soit lecture en continu, non-stop. Ici, la sélection du type de bande. Qu'est-ce qu'on a? Bon, prise de jack évidemment, le réglage de la fréquence, le microphone, et voilà pour ça. Après le dessus, on a la source ou auxiliaire si on veut brancher la prise phono. On a tape ou la radio. Donc là, on est en position tape, on appuie pour avoir la radio. On a les prises micro gauche-droite. On a le réglage fin pour ce qui est des ondes courtes. Et après, ici, c'est tout ce qui est les fréquences radio et le FM stéréo. Voilà, dont on voit le voyant qui change d'état ici. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la partie son. On va regarder derrière. Alors, l'antenne, déjà, l'antenne, elle est d'origine, elle est droite, elle est impeccable, elle n'est pas tordue, elle n'est pas cassée. Derrière, on a donc le système de haut-parleur amovible avec la sécurité en bas et le jack ici de connexion. Le coffre à batterie ici qui est parfait, pas de corrosion, rien de spécial. Voilà. Et ici, les prises pour aux ou phono avec la terre. Bon, la prise secteur ici. Voilà, on sélectionne si on veut phono ou si on veut aux. Au choix, voilà, pareil pour l'autre haut-parleur hein, avec son jack de connexion, la poignée aussi qui est en parfait état, tout a été complètement démonté, nettoyé, etc. Voilà, il y a eu un gros travail de remise en état. Donc voilà pour ça. Donc là, la radio, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Voilà, on va monter un peu. Allez, on va profiter pour faire un essai d'enregistrement. Donc là, j'ai une cassette normale, basique. On va faire l'enregistrement maintenant, clac. Donc là, c'est parti. Alors j'ai essayé aussi avec le jack 3.5, donc aucun problème, hein, les deux côtés fonctionnent bien, il n'y a pas de souci particulier. Ça aussi, ça a été nettoyé à l'intérieur, l'intérieur des HP, partout, vraiment dans les moindres rainures ici, tout a été fait au pinceau proprement, il n'y a rien à faire. Allez, on va écouter l'enregistrement, on repasse en mode tape ici, voilà, on va en arrière, top, lecture. Et on va écouter l'enregistrement. Voilà. Voilà, l'enregistrement est de très bonne qualité. Alors, on va aller en marche avant. Voilà, le compteur aussi est impeccable. On va faire marche arrière. Voilà. Tout fonctionne. L'auto-reverse, alors voilà, on repasse en lecture. Et pour changer de face, il suffit d'appuyer là. Et c'est très très rapide. Très efficace, le système auto-reverse. Je crois que c'est des têtes motorisées qu'il y a là-dessus. Je ne me souviens plus exactement. On va regarder.
Ouais, c'est ça, c'est une tête motorisée, voilà, elle tourne suivant la fonction. Donc là, les galets, tout, courroie, évidemment, même les pignons, il y a des engrenages aussi qui étaient à remplacer, donc ça a été fait. Il n'y a aucun souci. Bon, pour les tests, de toute façon, on n'a pas. Qu'est-ce qu'on a? La pose, oui, on n'a pas fait. Voilà la pose, hein, ça marche. Voilà. Sélection de bande. Et puis après, ce qu'on veut faire là, en mode tout automatique ou pas. Remise à zéro du compteur. Voilà, tout est OK. Il est prêt pour chanter encore de nombreuses années. Voilà. Beaucoup de plaisir à Jean-Sébastien. Et merci pour m'avoir regardé. Allez, au plaisir.